tenant une baguette et chaussé de bottes ailées, il est agile, éloquent et intelligent. Hermès est son nom. Et l'Interflora utilise son image comme logo. De nombreuses banques, entreprises de construction navale et compagnies aériennes ont conçu des marques inspirées par lui. Il est le dieu du commerce dans la mythologie grecque antique et une véritable divinité en Occident. En Orient, les Chinois ont également leur propre divinité, Guan Yu, le dieu martial qui est aussi estimé que le parangon des sages chinois, Confucius. Il était le dieu de la guerre et a accompli d'éclatants exploits. Mais les hommes d'affaires le vénèrent aussi en tant que dieu de la richesse. C'est de par cette position qu'il est également loué pour sa droiture et son intégrité. La confiance occupe une place importante dans le système des valeurs chinoises. Sans la confiance, nul ne peut subsister, est un concept auquel le peuple chinois adhère depuis longtemps. Et c'est aussi une valeur fondamentale que les hommes d'affaires chinois ont toujours défendue. Les marchands du Shanxi, qui ont connu leur essor sous les dynasties Ming et Qing, vénéraient Guan Yu. Également originaire du Shanxi, en tant que dieu du commerce et chef spirituel. Comme les marchands du Shanxi ont continué à étendre leur territoire commercial, le culte de Guan Yu s'est répandu dans le monde entier. Plus de 30 000 temples dédiés à cette divinité sont ainsi répartis dans 36 pays et régions du monde, dont la Chine. Ses vertus d'intégrité, de bienveillance et de droiture ont été transmises pour former ensuite la culture commerciale chinoise qui met l'accent sur l'intégrité et ne réalise que des profits éthiques. Au début du XXe siècle, un directeur de la banque britannique HSBC a déclaré, avant de quitter Shanghai pour rentrer chez lui, « Au cours des 25 dernières années, j'ai effectué d'énormes transactions avec des marchands du Shanxi d'une valeur de centaines de millions de taels d'argent et je n'ai pas rencontré un seul escroc. » Comme le dit un dicton chinois, les dieux observent tout ce que vous faites. Ils croient que les dieux peuvent voir tout ce qui se passe dans le monde, le bien comme le mal, le vrai comme le faux. Il y a 2700 ans déjà, pendant la période des printemps et automnes, Fan Li, originaire de l'état de Chu, inventait l'instrument de pesage standard, la balance chinoise. Il a utilisé à dessein les 13 étoiles de la Grande Ourse et de l'Ours du Sud comme symbole. Une étoile signifie un taël. Les étoiles de la cour de triage symbolisent l'intégrité et rappellent à chaque marchand qu'il doit faire preuve de loyauté et d'honnêteté dans ses affaires. En tenant la balance dans une main et avec la droiture dans le cœur, les marchands du Shanxi ont étendu leur activité à l'ensemble du pays grâce à leur principe du commerce équitable et honnête. Baotou est la deuxième ville de Mongolie intérieure. En tant que ville de migrants, elle regorge de traces du Shanxi. La famille Tiao, originaire de Jinzhong, possédait autrefois une dizaine de magasins sous l'enseigne Fu à travers Baotou. Un dicton local dit même que Fu Shanggong est apparu en premier, puis la ville de Baotou. À la fin de la dynastie Qing, l'entreprise Fu Shanggong de la famille Tiao à Baotou a publié une lettre d'excuse qui a fait grand bruit dans la ville. L'origine de cette affaire était que l'un de leurs magasins d'huile avait mélangé de l'huile de coton de l'année précédente à de l'huile de lin pour la vendre. Chao家父子号的祖训是什么？义气！我祖父桂发公在这儿立下的规矩，
不会变，我们乔家可以亏银子，但是不会亏信义，也不会亏良心。从此以后，一传十，十传百，福圣宫的名声大振，人们相信乔家父子好，纷纷到字号里面来买胡麻油，这显现了诚信的功能作用辐射。La moralité mène à la richesse. Bien que l'action de la famille Thiao lui ait coûté beaucoup d'argent, elle lui a valu une réputation de fiabilité. En conséquence, les marchands étaient plus enclins à faire des affaires avec la marque Fu, ce qui a permis à cette dernière de se développer de plus en plus. Dans le monde commercial, il ne faut pas perdre la confiance. L'économiste Adam Smith a écrit un livre sur la morale et un livre sur la morale morale.在这本书里面，他说到，不能把富与道德对立起来，可以说信誉是商业之魂。Les moments vécus il y a des siècles sont figés dans les portraits des marchands du Shanxi. Le parc de la ville, qui présente l'histoire des marchands du Shanxi, a été baptisé parc thématique de l'intégrité.Pour les habitants de Baotou, l'intégrité est peut-être le signe le plus distinctif des marchands du Shanxi qui venaient de loin. 中华商道可以说在晋商、在地域商人群体当中表现得非常突出，也最为典型，甚至可以说发育程度是最高的。它的核心呢，就是诚信与信用。就突出地体现在契约精神，它是通过签订这种契约来达成交易。哎，如果你不守信用，你就会受到惩罚；如果你守信用，你就会得到激励。所以，这个契约精神也是晋商五百年可持续发展的一个基础、一个支撑。商业文化里面讲的诚信，其实是渊源于中华文化。中华文化。最突出的表现就是儒家思想，儒家思想它把诚信表达为人而无信，不知其可。诚信不是晋商独有的，但是晋商呢把诚信做到了极致，数百年来秉承诚信这个金字招牌，也为自己带来了滚滚的财源。De nos jours, nous pouvons déposer en banque de l'argent que nous gagnons. Mais il n'y avait pas de banque dans l'Antiquité. Alors comment géraient-ils d'énormes lingots d'or et d'argent sans attirer l'attention? En fait, il existait aussi un endroit où l'on pouvait stocker de l'argent, les piaha, ou banques privées. La différence est que les banques placent l'argent dans des coffres forts, alors que de nombreuses piaha creusaient une grande chambre souterraine pour stocker des quantités colossales de lingots d'or et d'argent.这是平遥城一处地下金库的旧址，近300平米的空间里，时间窑洞排列两侧，这么一座大金库出现在一个小县城里，真是低调的奢华。有人测算过，如果把这里所能容储的黄金白银换算成人民币，相当于300亿元。Mais le problème est qu'à l'époque, les systèmes de crédit personnel et social étaient extrêmement imparfaits. Alors pourquoi les gens osaient-ils confier leur argent durement gagné à d'autres pour qu'ils le gèrent et le conservent? Qui serait responsable des pertes subies en cas de mauvaise gestion? Pourquoi les gens osaient confier leur argent à d'autres pour qu'ils le gèrent et le conservent? Qui serait responsable des pertes subies en cas de mauvaise gestion? 第二个呢，从经营管理上来讲，它是有无限责任的承诺的。我如果经营不好，赔了钱，不怕我还不了你的钱。就是说，父亲经营不好，是吧？儿子还不还，孙子还，反正一定要保护这个储户的利益。Well, definitely, business integrity is one of the most important matters of all businesses. So, with the Shanxi, the development of their Wuyipao.And the fact that they guaranteed that the money deposited into their accounts could not only be withdrawn from their bank within Shanxi, but within their branches in Japan, Singapore, and Russia, as well as other parts of China, that this type of guarantee
was what really created the crux of the real banking system we see today. So what we're discovering is that the Shaanxi merchants were one of the crucial pioneers of today's banking system. Cette responsabilité illimitée a également façonné jusqu'à présent un système remarquable de confiance mutuelle dans l'histoire de la gestion des entreprises des marchands du Shaanxi. Les banques privées du Shaanxi fonctionnaient principalement selon le modèle du propriétaire et du gérant, dans lequel les droits de propriété et de gestion étaient séparés. Le propriétaire était le bailleur de fonds, mais les droits de gestion appartenaient à un directeur. Ce dernier avait toute autorité sur le magasin et le propriétaire ne s'en mêlait pas. Si l'entreprise n'était pas bien gérée, la perte financière était supportée par le propriétaire. Celui-ci faisait confiance au gérant et l'engageait pour diriger l'entreprise. En retour, le gérant devait gérer l'entreprise avec intégrité et la faire prospérer. La confiance mutuelle a permis aux propriétaires et aux gérants de construire un partenariat solide. L'intégrité est synonyme de foi, de croyance et de pouvoir spirituel. Les marchands du Shaanxi ont transformé ce pouvoir spirituel en valeur commerciale afin de soutenir l'entreprise grâce à l'intégrité. Ils ont développé de manière créative un système de crédit complet permettant à la foi et à la croyance spirituelle de freiner les actions frauduleuses dans le monde des affaires, tout en établissant des règles efficaces et pratiques. Dans l'imagerie populaire, il y a l'histoire de la famille Tsrao, une famille de marchands très riches du Shaanxi qui accordait toute sa confiance à son directeur. À l'époque, alors que la famille Tsrao créait une banque privée appelée Fuzhongjun à Shenyang, le directeur a reçu 70 000 taels d'argent comme capital de départ. Mais la banque n'a pas fonctionné correctement et tout l'argent a été perdu. Le directeur a fait un rapport sur la situation au propriétaire qui a estimé que tout ce qu'il avait dit était logique. Au lieu de blâmer le directeur, le propriétaire lui a demandé s'il osait réessayer. Le directeur a répondu par l'affirmative, si le propriétaire pouvait encore lui faire confiance. Il s'est alors rendu à Shenyang avec un nouveau capital de départ. Mais tout a été perdu à nouveau quelques années plus tard. Le propriétaire lui a donné une troisième chance. Profondément reconnaissant envers la gentillesse du propriétaire, le directeur s'est rendu pour la troisième fois à Shenyang. Cette fois, il a non seulement récupéré les pertes, mais a également utilisé les bénéfices pour ouvrir quatre succursales dans cette ville. À partir de ce moment-là, les affaires de la famille Tsrao ont commencé à se développer considérablement, tout comme les bénéfices. Dans l'histoire commerciale de la Chine, les marchands du Shaanxi ont été les premiers à pratiquer la séparation des droits de propriété et de gestion. Ce n'est qu'en 1932, plus de 100 ans plus tard, que le concept de séparation des droits de propriété et de gestion a été introduit pour la première fois dans l'économie occidentale sous la forme des gestionnaires professionnels. La confiance est un atout important dans l'entreprise. Le système moderne de l'entreprise met l'accent sur l'autorisation et la gestion basée sur la confiance. Il y a plus de 300 ans, les marchands du Shaanxi avaient déjà compris profondément cette vérité à travers leur expérience et leurs leçons apprises au fil du temps. Et ils l'avaient concrétisé en un système de gestion commerciale efficace. Au sein de ce système, le mécanisme de sélection et de formation du personnel a fait de l'intégrité la valeur fondamentale de l'entreprise. Celle-ci était fermement ancrée dans le cœur de chaque employé dès le début de sa carrière,
devenant son code de conduite quotidien. Un jour, à la fin du 19e siècle, un employé qui venait de commencer son premier jour de travail à la banque privée a remarqué, par hasard, quelques pièces éparpillées dans un coin pendant le nettoyage. Pensant qu'elles avaient dû tomber du comptoir, il les a immédiatement remises à leur place. Le lendemain, il a de nouveau trouvé de l'argent par terre en balayant le sol et il l'a encore rendu. Au cours de la période suivante, le jeune homme a pu trouver de l'argent de temps en temps. Bien qu'il ait parfois songé à en garder pour lui, il finissait toujours par le rendre. Des années plus tard, cet employé méticuleux, diligent et honnête est devenu le troisième responsable de la banque privée. En fait, ces pièces d'argent éparpillées étaient un test de moralité. S'il avait gardé l'argent pour lui, il aurait reçu une lettre de licenciement polie. Mais comme il était prudent dans son travail et avait une conduite droite, il a donc été jugé comme étant de bonne moralité. Toutes les banques privées et tous les magasins avaient des tests de ce type. Les tests servaient de premier critère de sélection lorsque les marchands du Shanxi s'apprêtaient à nommer, choisir et employer des personnes. Mais quelle que soit la forme des tests, la conclusion en était la même. Il fallait être honnête si on voulait travailler pour les marchands du Shanxi.中国人历来秉承一个理念，商道即人道，做事呢先做人，清白守信是商号对伙计的基本要求。晋商在长期的经营实践中，逐渐形成了一套以诚信为核心的严谨规范的员工选聘机制。东家对应聘者祖上三代的职业德性要进行严格考察，招聘员工。 Il faut étudier dur pendant 10 ans pour réussir l'examen impérial. Il est encore plus difficile d'apprendre à faire des affaires. Afin de s'assurer que les employés avaient une éthique et un professionnalisme irréprochable, les entreprises les formaient rigoureusement et affinaient leurs compétences sur une longue période. L'éthique dans les affaires et le code de conduite, qui mettent l'accent sur l'intégrité, éliminent l'hypocrisie, défendent la moralité, valorisent la loyauté, méprisent l'intérêt personnel et pratiquent la bienveillance. Tout cela imprégnait le travail quotidien et la vie des employés, et cela faisait partie de leur éducation. Des employés honnêtes et une confiance mutuelle entre le propriétaire et le gérant ont permis de consolider les fondements du système de crédit des commerçants du Shanxi. Par conséquent, très peu de personnes ont profité de leur position pour rechercher des gains personnels dans les banques privées. On dit qu'il n'y a pas eu plus d'une fraude en un siècle. Ce système de crédit scientifique et rigoureux était comme un fin tamis tissé par le système pour sélectionner des talents exceptionnels dans l'ensemble de la société. Ceux-ci faisaient preuve à la fois de passion, de professionnalisme et d'honnêteté. Les marchands du Shanxi ont formé de nombreux et excellents gestionnaires professionnels qui étaient pleins de vigueur et qui ont perpétué la culture commerciale chinoise avec honnêteté et intégrité. Ils ont utilisé l'honnêteté et la fidélité comme un mandat universel, écrivant ainsi de nombreuses légendes commerciales. This is 日升昌博物馆馆藏的一张汇票。我们试想一下，当年客户把沉甸甸的银子抬进来，转身出门时却只带走这样一张薄薄的汇票，一纸幸福何以承载万两白银？其实，除了成笔金坚的道德承诺，还有一项高科技的加持。
La technologie anti-contrefaçon utilisée dans l'impression des billets est un secret aussi bien gardé que la bombe atomique. Et il n'est maîtrisé que par 34 pays sur plus de 200 dans le monde. En tant que premier pays imprimeur de billets au monde, la Chine a imprimé des billets de banque pour une dizaine de pays. Mais il y a 200 ans, les marchands du Shanxi avaient déjà réussi à empêcher la contrefaçon des effets de commerce grâce à leur technologie. À la fin de cet effet de commerce, on trouve une ligne de caractère obscur ressemblant à des chiffres. Quel est leur secret ?日升昌的墙上有这样一幅字：谨防假票冒取，勿忘细事书章。这句话看似是在叮嘱伙计，其实另有玄机。这十二个汉字代表了十二个月份。再看这首六句五言诗，正好三十个字，代表了每个月的一号到三十号。生客多查看，斟酌而后行。这十个汉字正好代表了阿拉伯数字一到十，旁边是它的替换版本，而国宝流通四个字则对应了万千百两这四个位数。据说这样的密押有400多组，定期来回替换。再看我手上的这张汇票，张善看流通，密码内容结合票面信息翻译过来就是道光26年12月21日汇入北京500两，取兑日期是第二年的正月21。Les clés de sécurité n'étaient que l'un des quatre éléments technologiques de lutte contre la contrefaçon pour les effets de commerce. Les trois autres étaient la vérification de l'écriture, les sceaux et les filigranes. C'est cet ensemble de technologies qui a permis à la vieille entreprise centenaire Zhe Shengchang de ne jamais avoir connu de cas de contrefaçon. 中国的文化为它这个保密创造了条件啊，那个密码你当经常换，不然久了人家能破啊。中国的唐诗宋词多嘛啊，你就一个月甚至半个月一套，那我们要是吧，这当中你就很难去破解。Si la confiance mutuelle entre les propriétaires et les gérants, ainsi que l'intégrité des employés, étaient les facteurs institutionnels qui permettaient aux marchands du Shanxi de gérer leurs affaires honnêtement, les technologies de lutte contre la contrefaçon des effets de commerce fournissaient un soutien technique pour maintenir une bonne réputation commerciale. Ma Ying-chou, un célèbre économiste du XXe siècle, a déclaré à propos de la contribution historique des Piaoho, ou banques privées, les banques privées ont épargné aux gens les problèmes de transport et d'entreposage, éliminé les risques liés à l'eau, au feu et au vol, et ont rendu les paiements faciles et clairs. La croissance de la richesse d'un pays repose sur la prospérité du commerce. C'est pourquoi la contribution historique des banques privées est énorme. Et c'est à ces marchands honnêtes et intelligents du Shanxi, vêtus de longues robes et de vestes de mandarins, que l'on doit une telle contribution. Ils ont surgi des profondeurs de l'histoire, nous apportant une sagesse et un pouvoir spirituel inépuisable. Dans Ping Yao, il y a une expression. 填不满的平遥城，银子元宝绊倒人。这些真金白银大部分是在外经商的山西商人委托镖局运送回来的。Sur ce territoire commercial élargi constamment par les marchands du Shanxi, les agences de protection des biens et des personnes ont écrit de merveilleuses légendes grâce à leur rôle indispensable de protection. Au début, les caravanes qui parcouraient de longues distances depuis la côte sud-est jusqu'à la Mongolie et l'Europe avaient besoin de services de protection. Plus tard, le déploiement régional de l'argent et l'échange de matériel entre les branches ne pouvaient se faire sans agence de protection. Chaque voyage d'affaires devait être escorté, de sorte que là où il y avait des marchands du Shanxi, il y avait toujours des agences de protection du Shanxi. Les agences de protection étaient responsables de la sécurité des marchands et de leurs biens, et elles s'acquittaient de leurs tâches, quel qu'en soit le prix.
Le spectacle immersif à la rencontre de Ping Yao raconte l'histoire d'une banque privée et d'une agence de protection. À la fin de la dynastie Qing, le directeur d'une banque privée de Ping Yao, M. Wang, a été tué en Russie avec sa famille. Seul l'un de ses fils a survécu, mais il a été retenu en otage. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 300 000 taels d'argent pour garder en vie le dernier descendant de la famille Wang. Zhao Yishuo, le propriétaire de la banque privée, a dépensé tout son argent et embauché 232 maîtres escortes pour le ramener de Russie, ce qui a pris 7 ans. Enfin, au prix de la vie de tous ses maîtres escortes, l'agence de protection a rempli son engagement envers la banque privée. Zhao Yishuo a également sacrifié sa propre vie pour maintenir en vie le fils du directeur Wang. Dans le musée des agences de protection de l'avenue Nandadie, à Pingyao, le mot loyauté figure sur presque toutes les plaques. À partir du moment où un marchand remettait sa vie à l'agence de protection, le maître escorte engageait également sa réputation, qui est plus précieuse que sa propre vie. Des vies peuvent être perdues, mais pas les marchandises escortées, ni la crédibilité. Un seul échec peut ruiner la réputation de l'agence de protection et l'empêcher de se relever. Les agences de protection accompagnaient toujours les marchands du Shanxi. D'une certaine manière, la crédibilité de ces marchands était maintenue par ces maîtres escortes courageux et loyaux qui risquaient leur vie. Par conséquent, lorsque les banques privées du Shanxi ont connu leur déclin à la fin de la dynastie Qing, la légende des agences de protection s'est également éteinte avec elles. Depuis le milieu du 19e siècle, les banques étrangères sont successivement arrivées en Chine et le gouvernement Qing voulait également créer une banque d'État. En 1905, le gouvernement Qing a fondé la Grande Banque Qing du ministère du Revenu. En 1908, elle a été réorganisée pour devenir la Grande Banque du gouvernement Qing. Au cours de cette période, les marchands du Shanxi ont été invités à deux reprises à devenir actionnaires, mais ont finalement rejeté la proposition. 1895年马关条约之后，那么中国的民族资产阶级开始崛起，或者叫觉醒，他们大量的开始投资近代企业。那么近代企业的成长，它就需要一个新的金融机构来完成对近代企业的一个投资。那么在这样的一个前提下，票号是不具备这样一种功能的，因为它服务的对象就是传统的企业。 Les directeurs des Piahao en veste mandarine étaient désavantagés face aux managers des banques en costume. Et même Zhe Shengchang, connu comme étant le numéro 1 mondial des Piahao, était en chute libre. En octobre 1914, la nouvelle annonçant la faillite de Zhe Shengchang a fait sensation dans les milieux d'affaires chinois. Toutes ces maisons magnifiques et splendides sont maintenant fermées. Tout leur charme et leur gloire se sont fanés. Zhe Shengchang, sa faillite directe, est le feu de son Beijing Fenhao, pour la dette d'un de Qixian He Shengyuan, pour la garantie, et s'est fait en 当时啊，日升昌北京分号的资产被查封了，平耀总号的资产也被清查了，甚至东家都被扣押了。À ce moment critique, Liang Huaiwen, l'ancien sous-directeur du siège de Zhe Shengchang, à la retraite depuis longtemps,
s'est porté volontaire pour se rendre à Beijing afin de sauver l'entreprise en crise. Il a fait de son mieux pour utiliser sa réputation et sa crédibilité dans le secteur afin de persuader 72 créanciers à Beijing de demander conjointement au ministère de la Justice de suspendre l'exécution de la faillite. Pendant ce temps, il a envoyé des personnes dans les succursales du pays pour nettoyer les comptes. Après 8 années de nettoyage et de rectification, Zhe Shangchang a repris ses activités en 1922, mais n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan. Après avoir lutté pour rester en vie pendant 10 ans, cette institution centenaire a finalement cessé ses activités bancaires. Liang Huiwen, qui aurait pu rester à l'écart de toute cette affaire, a sauvé Zhe Shangchang au bord de la ruine. Il a tenu la promesse qu'il avait faite au propriétaire lors de sa carrière de sous-directeur et a préservé l'honneur et la réputation de Zhe Shangchang. Au début du XXe siècle, les seigneurs de guerre ont plongé le pays dans le chaos et le peuple a vécu dans la misère. Le fonctionnement des banques privées créées par les marchands du Shanxi en a été affecté. Il y avait auparavant plus de 500 banques privées dans tout le pays. Après la révolution de 1911, ce nombre a été réduit à moins de 40 en 1917. À ce stade, si les marchands du Shanxi avaient renoncé à leur principe de droiture, pour se concentrer sur le profit, ils auraient pu certainement profiter du chaos pour faire fortune et renverser la table. Cependant, dans cette situation de vie ou de mort, ils ont presque tous choisi de sacrifier leur gagne-pain pour la droiture. Dans les années 1930, les billets Zin émis par la banque provinciale du Shanxi ont été dévalués en raison des pertes subies lors de la guerre des plaines centrales. Afin de remédier à ce chaos financier, la banque provinciale du Shanxi, qui avait été réorganisée, a émis un bon d'échange, également connu sous le nom de nouveaux billets, et a proposé de racheter les billets Zin à un rapport de 1 pour 25. À l'époque, de nombreuses banques privées créées par des marchands du Shanxi avaient pour activité de déposer et de prêter des billets Zin. Si les déposants avaient été payés en billets Zin, leurs dépôts auraient été dévalués et les banques privées auraient pu faire fortune. Mais elles ne se sont pas enrichies aux dépens des autres. Au contraire, elles ont payé les déposants des billets Zin en nouveaux billets. Ainsi, les déposants ont pu conserver la valeur de leurs dépôts, tandis que les banques privées ont subi des pertes. Je préfère perdre tout mon argent plutôt que de laisser les clients perdre le leur. Pour préserver leur réputation, la plupart des banques privées ont choisi d'assumer elles-mêmes les pertes liées à la dévaluation du billet Zin, ce qui a eu pour effet de creuser le déficit et de finir par les faire craquer. Sous le soleil couchant, la glorieuse légende des Piaho a finalement été reléguée au passé. Mais la lumière de cette philosophie de droiture et d'intégrité que possédaient les marchands du Shanxi brille toujours aussi fort à travers leurs portes fermées. Les valeurs d'intégrité et de droiture étaient le secret des marchands du Shanxi pour réussir dans le monde des affaires. Sans intégrité, il était impossible de s'établir et encore moins de développer une entreprise. Face à la tentation des intérêts, les marchands du Shanxi ont toujours adhéré à la croyance selon laquelle il faut rechercher les opportunités avec sincérité et les saisir avec intégrité. Ils pensaient que l'intégrité serait toujours récompensée et qu'elle était la clé du profit et de l'accumulation des richesses. Grâce à cette philosophie, ils ont écrit une magnifique légende commerciale dans le monde. Au fil du temps, l'empire de la richesse a disparu.
Mais les idées représentant l'excellente culture traditionnelle chinoise, marquée par la valorisation de la bienveillance, du bien-être du peuple, de l'intégrité, de la justice, de l'harmonie et de l'unité, se sont répandues avec les histoires des marchands du Shaanxi. En tant que symbole de ce groupe, ces valeurs ont été perçues, acceptées, développées et transmises jusqu'à aujourd'hui.